so much you thought I was a DJ. Et y'a tout le monde, sacré Chris Minecraft, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epic Cube. Et cette fois-ci, comme je dis peut-être souvent que c'est une petite vidéo, mais cette fois-ci c'est vraiment une petite vidéo, vous pouvez voir déjà dans le temps, sur le Disco Ship, parce que c'est un jeu plutôt fun qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, pas du tout en fait, mais c'est un des derniers qui est sorti sur Epic Cube, et puis qui est vachement bien réalisé. Donc du coup on va faire d'abord une mini explication, après une première game de chauffe, et puis une deuxième qui finira plutôt bien. Et puis ce sera tout pour cette surtout dans cette vidéo, j'espère que vous aurez compris. Et puis il y a eu des demandes dernièrement pour mettre des musiques dans mes vidéos, donc là bah du coup il y en aura pas, parce que un des principes du Disco Ship c'est qu'il y a déjà de la musique en jeu, mais vous en faites pas, pour les prochaines vidéos hors Minecraft il y en aura. Donc tout de suite on commence par l'explication. Voilà, on est sur l'écran d'attente. Donc du coup j'expliquerai rapidement le but du Disco Ship. On va prendre le final countdown dans cette cool, c'est sympa. Donc en gros, c'est comme les chaises musicales, c'est-à-dire qu'en fait, on est... les chaises musicales, si vous savez pas ce que c'est, qu'en fait, il y a des chaises, il y a un nombre de chaises, autant que le nombre de participants au début, on s'amène avec nos chaises, c'est un truc à faire dans les fêtes quand on est bourré, et la musique commence, on enlève une chaise, et après on éteint la musique, et dès que la musique est éteinte, faut s'asseoir, et il y a forcément quelqu'un qui va être éliminé. Donc c'est ça le principe de base, et sauf que là ils l'ont fait dans Minecraft avec des moutons, donc c'est qui tournent un peu n'importe comment sur la platine là, et en plus des petits objets funky pour balancer. Donc du coup bah j'expliquerai un peu au fur et à mesure, et du coup j'ai voté final countdown ici, j'ai déjà voté une fois donc c'est bon, et les musiques sont bien réalisées, j'ai jusqu'à maintenant j'ai fait, ah mais ils ont plein de musiques en fait, à chaque fois c'est pas la même, parce que j'en avais vu aucune de comme ça. Par exemple celle d'avant j'ai fait des tristes. Bon bref, j'ai fait deux parties de chauffe pour tester un peu le jeu et tout. Puis j'ai gagné les deux, hein, je vous le cache pas, mais ça veut pas commencer. Du coup je vais peut-être faire une ellipse, mais j'ai gagné les deux et j'ai vu et les musiques sont quand même cool. Donc là bah je fais une ellipse tant que ça commence, parce que là ça veut pas visiblement. Donc à tout de suite. On y va, on est sur la musique libérée, on a même un booster de folie. Donc du coup on va commencer par choper ce mouton. Alors les power-up, bah dès qu'on en aura, je vous expliquerai, ils vont spawner un peu aléatoirement sur le disque là-bas où on est. Du coup c'est là-dessus qu'on va devoir monter les... D'ailleurs il y a des petits PNJ à chaque fois avec des têtes d'Epic Member. C'est rigolo, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Bref, du coup là on est plutôt bon sur le mouton. Les autres sont plutôt sur... Ah là j'ai une underpearl. Bon, une underpearl bah c'est une underpearl, hein. Niveau transparence, on peut pas vraiment faire mieux. Donc la première fois j'ai un truc que j'ai pas envie de préciser. Il y avait un niveau de capture qui était affiché. Et donc, du coup là vous voyez, là je suis invincible, on peut plus me virer. Donc lui il va sûrement crever. Sinon j'ai récupéré une fumigène, bah c'est une fumigène, hein, donc c'est à dire que ça fait de la fumée et qu'on peut choper plus facilement les moutons. Voilà, donc du coup on va te choper toi, tu n'as pas de skin, c'est pas grave. Alors on a l'évitateur, on va le prendre vite fait. Hop, l'évitateur en fait il va permettre de soulever les gens en l'air. Et du coup comme ça bah, ils pourront, on les écarte un peu de nous et comme ça on peut mieux choper le mouton. Tout simplement. Là du coup on va pas trop nous faire chier pour l'instant. On prend cet évitateur, il y en a un qui a pas trop de moutons là. Faire gaffe à ce qu'il vient pas. Saloperie, ok. Là je m'écarte un peu. Hop, du coup on est bon. On va prendre un peu des items. Donc là on a un finder. Le finder en fait il va nous permettre de nous TP près d'un mouton. Donc si on galère à en trouver un, on peut utiliser ça. Du coup on va aller sur celui-ci. Alors on a un autre mec en contest, donc c'est un peu chaud. Donc on va aller sur celui-là. Snowball, ah snowball je crois que ça fait juste, ah oui ça peut, c'est pour jeter des moutons il me semble, c'est ça. Je crois que la snowball c'est pour ça, si je me trompe pas, je l'ai pas trop eu donc je m'en souviens plus trop. En tout cas la musique est plutôt bien faite, hein, apprécie un peu. Eh ouais on est dans Minecraft. Du coup la capture est à 50%, hop, on chope un sucre. Oh merde, oh le salaud. De toute façon je suis capturé à 100%, donc j'ai cru que j'allais tomber. J'allais dire, j'ai un sucre, donc le sucre lui va me permettre quand je suis sur un mouton d'avoir un méga speed et du jump boost. On peut aussi l'utiliser quand on n'est pas sur les moutons. Et du coup comme ça on peut soit se rapprocher rapidement d'un mouton quand on a si besoin, ou tout simplement bah, se barrer d'un mec qui pourrait potentiellement nous faire tomber. Du coup là on l'a chopé, les deux derniers mecs se battent un peu. Et non, je suis déjà invincible. Du coup, on a gagné ce round. Donc là, va falloir tout claquer. Aussi, missile, bah, ça balance un missile ça pour jarter les mecs. Et un cerf, en fait, ça jarte les ennemis, en fait. Tout simplement. Ce qui est pratique. Oh merde, là, ah, c'est ça que ça sert le snowball. Là, ça fout un poulpe sur la gueule et du coup, on voit plus rien. Merde.
La snowball également. Vite, le mouton, le mouton, le mouton. Mais prends ce mouton, bordel. Hop. On balance des fumis. Et on a gagné. Ouh, c'était chaud. Et GG. Deux petits points D. Hey, on a gagné. Bon, bah, c'était plutôt fun pour la première partie. Pas même balancer, pas même tout balancer à la fin. Yay. C'est la victoire, c'est la victoire. Bon, du coup, on va arrêter nos conneries. Puis là, du coup, on va faire une petite autre game. Vu que gagner, évidemment, hein, comme celle-ci. Parce que voilà, on est swag. Je vous montre des parties gagnantes. Et évidemment, sur notre musique pour qu'on puisse un peu plus apprécier. Donc, vous avez pu déjà le voir d'ailleurs dans le temps de la vidéo. Cette vidéo est plutôt courte. Car j'ai pas trop le temps de tourner en ce moment. Mais bon, hein, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, ce jeu n'a pas besoin d'une présentation très complexe, je trouve. Donc, bah, tout de suite, la dernière partie est, qui sera gagnante, évidemment. On y va, on est sur la musique d'une 4. Ah bah parfait, il y a une 4, ça c'est très bien, une 4. Allez hop. Et du coup, toi on te veut, toi, l'espèce de tête de mouton avec des lunettes là. Ah bah on va me compter carte à l'angle poussant, poussant, pas l'angle clic droit. Parfait. Là tu es à moi, rien qu'à moi. Tu es mon mien. Tu m'appartiens, tu ne peux pas te barrer. Allez, allez. Hop, voilà, il y a un mec qui s'est pris un poulpe dans l'histoire. On a réussi à choper une petite roquette. Et puis là, je pense qu'on est plutôt bon. Allez, là, il en reste un. Est-ce qu'il va réussir à le choper? Incroyable, va-t-il réussir? On le fait chier à côté. Est-ce qu'il va réussir à le choper? Ah, il a réussi à le choper. Bien joué à lui. Et du coup, notre premier éliminé va être ici. On était 8 au départ. D'ailleurs, j'ai oublié peut-être de le préciser. Et puis là, ça va. Power up ici. Finder, on le prend. Et toi, on te prend. Tu es le nôtre. Tu es notre mouton. Avec la tête de mouton depuis tout à l'heure, c'est bon. On prend un petit lévitateur, ça pourra nous être utile. Hop, et puis on apprécie un peu la musique. On sent plus chaud de se concentrer en faisant comme ça tout le temps. Hop, du coup, un autre lévitateur, parfait. On sonne un peu de ce con là, qui va sûrement mourir, parfait. On prend un sous-sucre, très pratique, un autre lévitateur. On se prend la tête dans le vinyle. Et parfait, toi tu es le nôtre. On va aller peut-être aller là-bas en fait, parce qu'il y a tout le monde qui est sur les nôtres, les mêmes. C'est le mien. Non mais c'est le mien, c'est mort. Hein. Merde. Merde, j'ai failli me louper là sur ce coup. J'aurais pensé que la roquette l'aurait jeté du mouton, tiens. Bon, c'est pas grave, on l'a chopé, d'ailleurs, je voulais lui foutre un coup de lévitateur juste avant qu'il prenne le mouton. Je sais pas pourquoi ça l'a pas mis là pour le coup. Bon, c'est pas grave. Du coup, toi tu es le nôtre. Ah merde. Ils sont passés où? Ils sont là. Toi on te prend. Tu es le nôtre, t'écartes de ces connards là. Ah mais ils sont pas bien pour toi. Hop, toi on te soulève. Hop, et on se casse. Et les capturer, parfait. Du coup, maintenant, on va faire une petite récolte de power-up. De finder, ouais, c'est petite île. Des vagues pour repousser les ennemis. Snowball pour aveugler. Ouais, c'est plutôt bien. Toi, tu as été éliminé, parfait. Non, bah si. On va aller là-bas. Peut-être pas du claquer le sucre, par contre. Petite erreur de ma part. Un peu pour l'instant, ils ont pas l'air d'être sur moi, ça va. Plus de sucre, du coup, ça par contre c'est un peu chiant. Bon, ça, ça fera. Hop, on se tire. Du nul qui n'a pas de bouton. Et voilà, c'est bon, on nous est capturé. On fait une petite récolte. Fumigène, j'aime pas trop parce qu'en fait, le fumigène peut aller sur nous. Et j'arrive pas à contrôler ça, moi. Dites pas que je suis nul, s'il vous plaît. Je sais juste que j'ai du mal. Oh, l'enculé, il m'a foutu une vague. Tiens! Meurs! Hop, meurs! Meurs! Hop! La petite TNT de malade qui va sûrement le jarter. Ah, je suis allé sur lui, j'ai pris des risques là. Mais ça s'est bien passé. Du coup, il va mourir, on va faire maintenant la finale. Donc là, maintenant, il va falloir tout balancer. On commence. Direct. Il est où le mouton? Il est là.
là. Tu dégages. Hop, on se tire, on se tire. On se tire, on fout du surf. On balance des fumis. Et c'est la win. Yay. Vol. Merci. Bon bah c'est plutôt cool en tout cas. Voilà qui conclura notre petite vidéo assez courte d'ailleurs sur le Disco Ship. Un jeu vachement sympa je trouve et d'ailleurs plutôt récent. En tout cas les musiques sont vachement bien réalisées et tout, je trouve ça vachement agréable à jouer. Et puis en tout cas si vous avez passé du bon moment dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce vert. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Allez salut à tous.